Nang's Reborn. Wow, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Bienvenue sur Nang's Reborn. En dessous de cette vidéo, tous abonnés, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner, cliquer sur la cloche pour l'activer et ne manquez surtout pas de cliquer directement sur j'aime pour ne pas oublier parce que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlerons des choses très intéressantes comme les cheveux des femmes. Waouh! Comment le diable et ses sirènes veulent-elles rendre les femmes tellement belles au point où elles désobéissent à leur Dieu? C'est ce que nous allons voir ici. Nous allons vous dire, mes frères et sœurs, mes sœurs, même des garçons aussi, vous êtes concernés. Si vous faites colorer vos cheveux, que ce soit vos vrais ou vos cheveux, c'est des problèmes. Parce que les couleurs qu'on ajoute aux cheveux ne sont pas naturelles. Toutes ces couleurs que tu ajoutes là pour embellir tes cheveux, ma soeur, nous allons te dire, toutes ces choses que tu ajoutes ne viennent pas de Dieu, ça vient plutôt d'autres personnes, encore d'autres entités qui les ont créées juste pour que toi tu t'éloignes du bon chemin, du chemin de Dieu. Tu vas dire, mais comment c'est possible? Quelles sont les preuves? Nous allons vous montrer que les femmes du monde aiment beaucoup les cheveux colorés. Et ça, vraiment, ce n'est pas une chose que Dieu lui-même atteste. Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici va même vous étonner. Ok, ça peut tarder, nous allons voir les images qui vont venir. Puisque nous sommes dans une vidéo de type analyse, nous allons les analyser ensemble et découvrir que vraiment, il y a quelque chose qui peut intéresser tout ça. Bon, ok, ça peut tarder, nous allons maintenant regarder la première image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti! Ouh, nous sommes de retour. Qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire. On voit une femme qui est tout simplement en train de se laver les cheveux. Est-ce qu'elle est vraiment en train de se laver les cheveux? Je dirais non. Elle est plutôt en train d'ajouter des choses à ses cheveux. En fait, ils sont en train de mettre des produits sur certaines parties de ses cheveux de sorte que ça forme quelque chose de spécial, ça donne une certaine couleur à ses cheveux, que ça devienne genre comme ça. Wouhou! Mon Dieu, est-ce que c'est pas beau ça? C'est très beau, c'est extraordinaire, c'est joli, j'ai même envie même d'applaudir. Mais hey, ce que vous ne savez pas, mes frères et sœurs, c'est que tous ces jeux que nous sommes en train de voir ici, même que le diable est en train de présenter un étudiant en passant même par les célébrités, toutes ces choses viennent vraiment de notre monde. On nous parle des sirènes qui ont même des usines dans ce monde. Et ces sirènes fabriquent des produits cosmétiques, toutes sortes de choses pour pouvoir conduire les femmes sur le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu afin qu'elles puissent les accuser. Quand il y a des cheveux naturels comme le nôtre, comme ça, toi, il faut être contente, il faut aimer tes cheveux et il faut veiller à ce que tes cheveux restent naturels parce que c'est ce qui est juste, c'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas te laisser intimider par les gens qui vont te présenter leurs cheveux comme ça. Ouh! Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est jolie, encore plus jolie que jolie. Mais avoir des cheveux de différentes couleurs à chaque fois. Parce que quand tu regardes, on peut dire que ses cheveux peut-être étaient comme ça dans le premier cas. Puis t'as dit, oh mes cheveux sont trop comme ça, je vais changer. On va donner un peu comme ça. De tes cheveux, vous les verrez encore ici, on va les étudier. Ah! Elle a dit, oh mes cheveux sont comme ça, vraiment c'est assez, c'est pas trop ça, je vais changer encore. Ça se moi, t'as dit, oh, je vais changer mes cheveux et mes cheveux vont devenir comme ça. Ah! Tout, excuse-nous, mais tout ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est une chose qui plaît à Dieu? Non, ça va plaire à qui? Ça va plaire aux gens qui sont dans ce monde, même à toi-même. Ah, oh Dieu nous dit quoi? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde.
Car celui-là même qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans lui. Or, toutes ces choses-là, ça n'existait pas avant. Ce sont des choses qui ont été inventées, c'est venu. Un jour, les gens se sont mis à pratiquer ces choses. Les stars ont publié cette histoire et ça commence à se répandre. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les mauvais esprits accompagnent la plupart du temps toutes les nouvelles, tous les, comment ça s'appelle, les vagues de style qui viennent de sortir. Encore, ils accompagnent des mouvements artistiques. Si une telle chose vient d'arriver, il y a un esprit qui sera derrière. C'est-à-dire, c'est un mauvais esprit. Tu vas dire, ok, nous allons contrôler la jeunesse, nous voulons contrôler la jeunesse. Et pour bien contrôler la jeunesse, surtout les femmes, nous allons veiller à ce qu'elles soient toujours sexy, en tenue sexy. Vous voyez, elles aient un visage toujours joli comme ça, de sorte à pousser les hommes, par exemple, à les désirer même sexuellement. C'est comme ça se passe. Du coup, le diable est en train d'installer des idées bizarres dans nos pensées pour nous conduire ou encore nous éloigner de la face de Dieu. Et quand on parle des cheveux des femmes, toutes les femmes ici aiment leurs cheveux. Elles sont accro à leurs cheveux même plus qu'à la parole de Dieu. Je vous parle de quelque chose. Et les femmes ne veulent même pas qu'on touche leurs cheveux. Même on dit quelque chose de mal sur leurs cheveux. C'est très connu. Mais ça sort si tu aimes tes cheveux. Il faut savoir que Dieu aime tes cheveux plus que toi-même. Et Dieu veut que tes cheveux soient exactement comme il te l'a donné. Mais pas avec des produits que tu mets sur ta tête. Mais y a, ça, vous ne savez-vous pas que souvent là, c'est un de ces produits qui crée des problèmes. Ça crée des problèmes aux gens. La fille, elle a passé son temps à mettre des couleurs sur ses cheveux. Du fait de ses cheveux sur ses cheveux. À un moment donné, ses cheveux ont commencé à disparaître. C'est là la femme va commencer à crier. Ah! Mes cheveux, où sont-ils? Tu vas où? Hey, mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont réelles. Le diable, il vient toujours avec ses démons pour nous suggérer de ces idées assez farfelues, de ces idées bizarres, après pour nous conduire des problèmes. C'est là où on va dire, mais si j'avais gardé mes cheveux à la naturelle, ce serait mieux. Mettez les produits qu'on a introduits sur les cheveux, ça les a tous détruits. Et ça, ce sont des faux cheveux qui sont là. Ce sont des faux cheveux colorés de façon dégradée. C'est-à-dire, la couleur, c'est de la couleur dégradée. Et waouh, quand une femme met sur sa tête, oh, quand tu la vois me passer, tu dis, oh, bonjour ma chérie, tu es jolie. Bonjour ma chérie, tu es très belle. S'il te plaît, donne-moi ton 06. C'est pas comment ça se passe? En tout cas, moi, il a demandé pourquoi le 06. Jésus est Seigneur, Dieu nous a changé. Mais mes frères et sœurs, nous devons vraiment changer cette mode de vie. Quand tu vois ça, est-ce que c'est pas joli? C'est même plus beau que beau. C'est plus joli que joli. Mais quand Dieu dit, il n'approuve pas cela, ah là 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 là, le diable et ses démons vont bien travailler la chose pour vous présenter maintenant, pour que vous puissiez les adorer, vous puissiez être séduits. Et ce faisant, vous serez en train de désobéir à Dieu. Il y a même des femmes chrétiennes qui ont ça sur la tête. Mais le problème ici, c'est que le diable est derrière tout ça. Pourquoi a-t-elle un œil fermé? Ou parce que c'est un hasard? Nous savons tous que quand quelqu'un ferme un œil comme ça, comme cette femme, cette personne est tout simplement en train de montrer son appartenance à un groupe de satanistes. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses cheveux? Nous allons vous dire, il y a des cheveux que les gens font, il y a des coupes de cheveux pour femmes qui existent, qui cachent carrément un œil. Souvent même, elle se fatigue même à faire comme ça. Elle va faire comme ça. Comme ça toujours, mais ce mouvement que tu étais de faire là, c'est comme si on disait que tu étais de faire une mise en application d'un symbole occulte pour montrer toi-même ton appartenance au diable. Mais c'est la réalité. Voici ce qui est caché derrière cette histoire. Même les bouts d'oreilles on met dans le nez, même on se presse. Mais quel bout de la parole de Dieu nous a dit qu'une femme doit forcément mettre des bouts d'oreilles? Franchement, si tu es une vraie chrétienne que tu regardes cette vidéo, tu dois comprendre que il y a beaucoup de choses que tu as sur toi, même ta ignorance. Tu ne sais même pas que ça ne vient pas de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Regarde ça. Est-ce que c'est pas joli? Moi, mais j'ai vu Denis dire, ah, ma chérie, tu es jolie. Attends, tu donnes une bise ici. Ah, mais le problème ici, c'est qu'il y a une chose vraiment qui ne va pas plaire à Dieu. Elle est belle pour nous. Mais pour Dieu, elle a quelque chose de démon sur elle. Et cette chose peut permettre au diable
de l'accuser quand elle ne sera plus de ce monde, c'est-à-dire quand elle a perdu la vie. Est-ce que vous voyez? Et ces cheveux-là, ce sont ses cheveux colorés. Tu peux dire que ce sont tes vrais cheveux, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, ce sont tes vrais cheveux. Ce ne sont pas des mèches ni des cheveux, de vrais cheveux de personne que tu as mis sur ta tête, non. Tu dis que ce sont tes vrais cheveux, ok. Le démon qui va venir vers toi, il va dire, ok, ce sont des vrais cheveux, il a raison, ce sont tes cheveux. Mais le problème ici, c'est que la peinture que tu as mis sur ta tête là, ça ne vient pas de toi. Tu as dit que, mais, je l'ai acheté. Ils vont te dire, oui, effectivement, tu l'as acheté, c'est nous-mêmes qui t'avons poussé à l'acheter pour qu'en mettant sur ta tête, nous, on puisse t'accuser. C'est comme si toi-même, tu as acheté ton propre péché ou encore ta propre mort. Or, mes frères et sœurs, ça a l'air simple. Qui pouvait penser que les cheveux colorés là, allaient créer des problèmes à quelqu'un? Qui allait penser à ça? Moi-même, franchement, je ne pensais pas qu'un jour je ferais cette vidéo. Mais ce sont les témoins puissants que nous avons retrouvés sur un soir, qui nous ont même poussé à refaire cette vidéo-là même. Je vous dis que les femmes du monde aiment les cheveux colorés. Mais il y a un truc qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que le démon se trouve derrière et se prépare à vous accuser à la fin. Comme vous allez mourir, vous ne serez plus de ce monde. Le démon va vous tirer par les cheveux. Comme ça. Il va vous tirer par les cheveux, par vos mèches, par vos faux cheveux, même par vos vrais cheveux, s'il y a des couleurs là-dessus. Et avec ça, nous allons vous dire, vous ne pourrez pas aller au paradis. Si cette fille-là, elle n'avait pas de make-up, elle était juste à la naturelle. Juste à la naturelle comme ça, sans couleur sur ses cheveux, avec les cheveux que Dieu lui a donné, la couleur de ses cheveux que Dieu lui a donné, avec cette couleur blanche de son vêtement, moi mais il lui a dit que cette femme là elle est jolie, plus jolie que je lui, j'allais même l'applaudir. Ah mais mes frères, c'est extraordinaire. Wouh, mes frères, c'est une relation, ma soeur, frère, là, nous ne sommes pas en train de tourmenter, nous sommes encore tout embarrassés. Nous sommes en train de te dire des choses qui vont t'aider. Ah, qu'est-ce qui ne va pas être toi-même? Il faut bouger un peu. Nous sommes sur une seconde quand même. N'est pas abonné, tout si abonné, c'est la propre activité. Écoute directement sur chaîne si tu es d'accord. Écoute, même si ça te fait mal, il faut accepter ça. Nous-mêmes là, on t'a touché ça. Moi-même, tu penses que ça me fait plaisir. Quand je regarde la fille, regarde comme elle est belle. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est même plus belle que belle. Moi-même, je lui dis, oh, c'est joli. Parce que effectivement, c'est joli. Je veux que je te dise quoi. Mais. Quand Dieu te demande de faire un truc, c'est qu'il a une raison. Et quand il te dit que les démons sont derrière tout ça, c'est que l'enfer n'est pas loin. L'enfer n'est pas loin. On tire les gens, on maltraite les gens par les cheveux. Même un témoin, on a reçu ici. Il y a une femme qui a révélé carrément que elle, quand elle est morte, elle s'est retrouvée carrément en enfer. Et là-bas, on la torturait au niveau de ses cheveux parce qu'elle a mis des peintures sur ses cheveux. C'est un témoignage que vous pouvez retrouver même sur mon souvent. Tout ce que nous racontons ici, ce n'est pas des choses qui au hasard, ce sont ces issues la plupart des temps. C'est un témoignage que nous avons reçu. C'est pourquoi nous avons créé une vidéo de type analyse. Et c'est la vidéo d'analyse 50, la 50e vidéo de ce type. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Et ici, wow! Vous voyez même ma réaction. Je suis quand même surpris. Hein. Regardez bien. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est là, mais regardez. Wow. J'ai même du mal à y croire. Tellement c'est joli. Regardez même le tatouage qu'elle s'est mis sur le cou. On a l'impression que le corps de l'homme est devenu un support. Si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, Dieu veut habiter en l'homme. Dieu lui dit que le corps de l'homme, c'est son temple. Comme Dieu dit que le corps de l'homme, c'est son temple, qu'est-ce que les démons vont faire? Les démons vont dire aussi que, effectivement, puisque le corps de Dieu, puisque votre corps, c'est le temple de Dieu, nous aussi, nous allons nous faire passer comme Dieu en essayant d'habiter en vous, même sur vous, au travers de quoi? Des tatouages aussi. Et toutes ces choses que nous avons demandé de voir, les make-up, toutes ces histoires, les rouges à lèvres. Waouh! Je suis carrément impressionné hein, par la beauté de cette femme. Mais cette beauté est accompagnée par des produits cosmétiques, ce qui rend cette beauté-là artificielle. Alors, on va dire que c'est artificiel. C'est artificiel. Vous voyez comment ça fait? Ça rend la chose, ça dévalorise un peu la femme. Ou bien, ça, moi, je préfère dire que ça dévalorise carrément la femme. Ah,
que tu vois une femme qui a la naturelle, belle, elle est comme ça, tu es content. Même si sa beauté n'est pas extraordinaire et qu'elle reste, elle a la naturelle du foie, cheveux bien, pieds peignés, pieds. Oh! Tu as vu mes délits qui m'agirent. Tu viens de quelle famille? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Toutes les filles passent leur temps à mettre des mèches qui sont bizarres, les couleurs des mèches. Viens le voir. Ici, on voit des cheveux qui sont rouges, non? Là encore des cheveux qui sont encore rouges. Et les femmes sont de plus en plus belles, non? Même ce que vous mettez dans les doigts, comme on appelle les alliances, les balles qu'on se met dans les doigts là, tout ça là, ce sont des choses qui nous lient à ce qu'on appelle les faux dieux. Est-ce que vous comprenez? C'est lié, nous sommes liés comme ça au faux dieu, rien qu'au travers de cette chose que nous avons sur nous. Et ça, vraiment, c'est pas du joli joli. Elle est vraiment belle. Elle est jolie, bon, est-ce qu'elle n'est pas jolie? Elle est jolie! Mais vraiment, ne vous laissez pas impressionner par l'apparence d'une femme. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est tout en elle. Si tu aimes une femme, c'est pas l'apparence qui va nous montrer que c'est une bonne personne. Ah, elle peut être belle. Tu as dit qu'elle est bonne. Même au lit, elle est bonne. Et puis, regardez-moi ces expressions-là. On dit au lit, elle est bonne au lit. Tu n'as même pas marié, déjà tu sais qu'elle est bonne au lit. Ça, c'est quoi ça? C'est un péché, hein, mon frère, c'est un péché. Oh! Regardez la femme. Elle aime pour sourire. Elle a un joli sourire. Est-ce qu'elle n'a pas un joli sourire? Regardez la même. Moi, j'ai envie de rire à elle. Mais le problème ici, c'est que Dieu, il ne trie pas. Il ne va pas dire que toi, tu es un homme pauvre. Donc, on va te traiter comme un homme pauvre. Toi, tu es un homme riche. Une personne riche, on va détecter comme une personne riche. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous met tous à la même valeur. Et c'est exactement ça. Parce que ce sont les âmes et les actions qui seront jugées. Ici, nous parlons des faux cheveux et la couleur des cheveux. Toutes ces histoires, ça vient des démons. Et si vos cheveux étaient vraiment des serpents? On nous disait même que les faux cheveux, là où encore les mèches que les femmes se mettent sur la tête, après, si ce sont des serpents, ça se transforme en serpent la nuit, même quand elle perd la vie. Ici, nous avons affaire à une femme qui est vraiment très belle. Elle est vraiment plus belle, très belle, attirante. Nul ne peut dire qu'elle n'est pas attirante. Mais le problème ici, c'est que les cheveux que nous mettons sur notre tête sont parfois ce qui vous produit des problèmes. Mais regardez ça. Waouh! Est-ce que par nature, elle avait des cheveux de cette couleur? Dieu nous a créé de différentes manières. Certaines femmes ont des couleurs, ont des cheveux bruns, d'autres ont des cheveux qui sont noirs, d'autres ont des cheveux qui sont naturellement marrons. Si toi, tu as des cheveux qui sont naturellement marrons, ou bien rouges, bordeaux, comme cette femme, jolie femme qui se trouve devant nous, mon frère nous allons te dire, ma soeur, nous allons te dire, pas de problème, il faut laisser ça. Mais si tu dis que tu es fâché d'avoir des cheveux rouges, bordeaux, naturel que Dieu t'a donné et que tu veux ajouter des extensions juste pour faire plaisir, te faire plaisir, faire plaisir aux gens ou encore tes abonnés sur Instagram ou bien sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux ou que tu veux même de ta famille. Ma soeur, nous allons te dire, c'est là que tu vas désobéir à Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Tu vas dire que Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il y a même des pasteurs femmes. Bon, c'est pas si une femme doit être pasteur. Dans la Bible, c'est interdit. Mais aujourd'hui, on assiste à tout de ce monde-là. Faites attention. Ah, mes frères et sœurs, est-ce qu'il est permis à une femme de prêcher? Bon, c'est pas le plus sujet, mais est-ce qu'il est permis? Bon, en fait, les femmes qui prêchent là, la plupart du temps, comme vous le voyez, elles ont des faux cheveux. Là. Elles ont de ces mèches là sur elles également. Et bizarrement, vous dites quoi? Les femmes, elles disent quoi? Elles disent que, ah, vraiment, la femme du pasteur est jolie d'elle. Ou bien la femme pasteur, elle est jolie. Et elle a des faux cheveux. Si elle a des faux cheveux, elle a tous ses histoires, même elle colore ses cheveux comme ce que nous faisons dans le monde. Où est la différence entre elle et nous? Je pense que si elle le fait, c'est que c'est permis. Donc nous saurons le faire. Ah, mes frères, ma soeur, moi je suis un homme et puis je te parle. Les faux cheveux, c'est interdit, ça tu le sais. Mais même quand tu as les faux cheveux, que tu mets la couleur dessus, ça te produit des problèmes. Parce que ça ne vient pas de Dieu, Dieu va te demander de quoi. Il va te dire, mais tu te confies ton corps là, c'était pourquoi? Tu
Tu vois, le boy a dit, ah Seigneur mon Dieu, c'était pour m'amuser. Il m'a dit, ah non, c'était pour t'amuser. C'est à cause de ça que tu t'es mis toutes sortes de couleurs sur tes cheveux pour t'embellir et pour aller dans les soirées où tu as bu jusqu'à tu es même allé coucher avec les gens. Mes frères et sœurs, parce que ce que le diable veut faire, le diable veut nous mettre dans une position pour que de ce que Dieu soit fâché de nous. Il ne soit pas content, il soit pas content de nous. Vous voyez, il soit fâché contre nous. Il veut, c'est ce qu'il veut faire. Et pousser l'humanité en utilisant des personnes célèbres pour pouvoir faire la chose. Regardez, est-ce que c'est pas pour ça? C'est même plus beau que beau. J'ai vu le Dieu, je lui dis, mais tu as acheté tes lunettes à combien? C'est des lunettes solaires ou bien c'est des lunettes, ah, c'est pas. Bon, il y a pas, au niveau des lunettes, moi, je n'ai jamais vu une information pour dire qu'il y a un problème au niveau des lunettes. Mais ce sont les faux cheveux, en fait, ce sont les cheveux colorés qui nous intéressent ici aujourd'hui. Regardez ça. Waouh! Elle est vraiment belle aussi. Hein. Elle est tranquille, elle ne parle pas beaucoup, c'est chic. Mais regardez ça. Quel est le problème ici? Est-ce que ses cheveux sont naturels? Ses cheveux sont naturels. C'est bien, c'est joli. Ouh! Vous voyez? On raconte plus, on raconte pas des histoires ici. Cette femme, elle est plus blanche que blanche. Et pour embellir le tout, hein, elle a ajouté un peu de produit, un peu de maquillage, un peu de make-up. Les gens appellent ça un peu de peinture, mais aussi un peu de rouge à lèvres avec de cheveux de loup. On peut dire que ce sont des faux cheveux colorés. Ma soeur, est-ce que ce sont des vrais cheveux? Réalisez une aventure comme ça, on aimerait savoir. Mais ça, il me semble que ce sont des faux cheveux. Ah! Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est plus belle que belle. Elle est même impressionnante, je dirais même attirante. Mais tout ça n'est pas fait pour vous arranger. Parce que toutes ces histoires, le tout réuni ici, ha, les démons sont derrière. Les sirènes sont derrière. Il y a une sirène d'un témoin puissant, il parlait. Elle disait, les femmes vont aller en enfer, vont tout aller en enfer parce qu'elles m'appartiennent déjà. On dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais comment tu parles? Pourquoi? De quoi tu parles? Elle dit, oh, c'est parce qu'elles ont des chaussures, elles qui m'appartiennent. Quelles sont ces choses? Ce sont les faux cheveux, les make-up, le rouge à lèvres, les faux ongles, les vernis à ongles, les vêtements sexy. Il n'y a pas sûr de la prochaine vidéo de leur parler des vêtements sexy là. Parce que je suis sûr que toi-même tu as dû regarder ce que tu veux qu'on en parle. Si tu es d'accord avec ça, écris dans la partie commentaire juste sexy. Je saurais que vous voulez qu'on parle des vêtements sexy. Regardez ça encore. Vraiment les femmes sont jolies quand même. Est-ce que les femmes sont jolies avec les make-up ou sans les make-up? Réagissez dans la partie commentaire. Est-ce que les femmes sont jolies? C'est-à-dire, ne sont-elles pas jolies sans leurs faux cheveux ou encore les cheveux colorés? Dites-moi, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas dit comment, j'aimerais savoir. Est-ce que sur la neuve, les couleurs ou les make-up de ces femmes ici, elles seront laides? Réagissez dans la partie commentaire. Est-ce que Dieu a-t-il bien créé les femmes? Réagissez également dans la partie commentaire, j'aimerais bien savoir. Parce que j'ai l'impression que ici, les femmes sont en train de dire à Dieu que Dieu les a tout simplement mal créées, mal conçues. C'est pourquoi? Elles doivent ajouter quelque chose de surnaturel. Elles doivent ajouter quelque chose supplémentaire. Regardez ici. C'est quelle personne sur la tête que Dieu a créé avec des cheveux qui sont carrément verts comme ça? Il n'y a jamais vu? Moi, franchement, moi, je n'ai jamais vu ça. Ma soeur, si tu as ça sur toi, nous allons te dire. Nous allons te dire. Tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher comme ça. Et ce péché que tu es en train de faire. Christ te produit en enfer. L'homme pêche par ses actions et tu adores le diable par ta manière de te conduire. Voilà. Si tu n'as jamais vu cette telle vidéo, aujourd'hui nous allons te montrer cette vidéo pour t'aider. Oh, c'est aussi la chouette. Elle est plus belle même que belle. Ha. Mais Dieu, il ne plaisante pas avec ces choses. Regardez ses cheveux. C'est aussi du vert. Un verre dégradé. On peut dire que le milieu de ses cheveux ici, qui sont noirs là, correspond aux cheveux que Dieu lui a donné. Est-ce que c'est laid? Est-ce que c'est vilain? Non! Mais pourquoi avoir ajouté ces couleurs là, ici,
en extension ou encore de façon supplémentaire. Peut-être qu'elle te dit que il faut changer de look. Il faut aborder de nouvelles dimensions. Il faut montrer aux jeunes ou encore aux jeunes filles qui sont fans de moi comment il faut faire les choses. C'est pourquoi elle a décidé de changer. Et ce changement-là s'étale même au-delà d'elle. Même regardez derrière encore les cheveux des femmes derrière. Regardez derrière. Le diable veut que les femmes soient exactement comme ça. Avec de tels cheveux, de tels cheveux sur la tête. Nous allons vous dire, mes frères et sœurs, le diable travaille sérieusement. Il ne doit pas. Si vous vous dormez, lui, il ne doit pas. Hein. Et il travaille sérieusement pour vous conduire dans les mauvaises choses. Et en utilisant les méthodes les plus simples. Et il passe par des choses les plus insignifiantes que vous ne pouvez même pas penser, mais que là, il peut les utiliser pour vous faire des choses bizarres. Je vous parle de quelque chose. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est vraiment belle. Mais plus belle que belle. Dans cet état-là, Dieu ne va pas dire que vous êtes belle. Hein. Il va dire où es-tu? Il t'a dit, mais Seigneur, pourquoi me poser la question de savoir où suis-je? Il va dire, je te cherche du père, je ne te vois pas. Ah Seigneur, pourquoi tu ne me vois pas? Il va dire, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu, ma fille? Il va dire, ah, tu ne comprends pas où tu me demandes où je suis. Le problème, c'est que Dieu te recherche parce que tu n'es plus naturel. Tu n'es plus à la naturelle. Et lui, il aimerait vraiment te voir à la naturelle. Tu as perdu carrément ta virginité. Ça va te faire rire. Mais c'est ça. Il va dire, ah, non, tu as perdu ta virginité. Tu n'es plus comme je t'ai vu. Et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Ah! L'enfer est là. Les gens se préparent eux-mêmes à l'enfer par leur comportement. Regardez. Nous devons vraiment abandonner le monde. Tout faire, tout mettre en œuvre pour abandonner le monde et ces choses. Nous devons vraiment faire tout mettre en œuvre pour abandonner le monde. Et vous voyez comme elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est jolie. Elle est parfaite. Tout le monde pourrait dire, oh, c'est celui-là, vraiment, moi j'aimais la mariée. Si la mariée, je n'aimais pas la tromper. Parce qu'elle est jolie. Ok, c'est bien. Mais si tu es une femme jolie comme ça, il faut lui dire, ma chérie, tu es jolie, tu es très belle. Moi, je t'aime. Et puisque je t'aime, je veux que tu plaises à Dieu, pour que toi-même tu puisses être sauvée. Si je t'aime vraiment, je vais te dire la vérité, ma soeur. Il faut que je te dise la vérité. Les faux cheveux que tu as sur ta tête là, c'est pas beau du tout. Ou encore, la manière dont tu colores tes vrais cheveux, les cheveux que Dieu t'a donné là. Je sais pas si que Dieu soit d'accord avec ça. Il faut abandonner ces choses. Il faut abandonner ces quoi? Moi, je pense que j'aime beaucoup même les femmes. Parce que la plupart du temps, je parle beaucoup aussi des femmes dans les vidéos de type analyse, même dans les témoins puissants. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche pour être parce que ce qui va venir va nous faire entrer dans une autre dimension. Je te bénis, frère et soeur. C'est extraordinaire. Applaudissez, s'il vous plaît. Wouh! Applaudissez, s'il vous plaît, frère et soeur. C'est extraordinaire. Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Je pense que ça vous a un peu touché. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ah, ce gars-là, même presque, il ne va pas à lui. Depuis là, lui, il vient ici pour nous parler de nos cheveux seulement. Des cheveux colorés. Qu'est-ce qu'il a avec nos cheveux, même? Ah, tu lui as parlé des mèches. Il n'est pas fatigué. Tu viens maintenant de nous parler des vrais cheveux maintenant qui sont colorés. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi-même? Si tu pourrais même te taire, ça va nous aider, même. Mes frères et sœurs, on ne peut pas se taire parce que ce n'est pas nous qui parlons. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler et tu dois écouter ce que Dieu te dit. Laisse un like si tu es content. Si tu n'as pas abonné, clique sur l'abonnement, ça peut activer. Et ne manque pas ici de t'abonner sur nos autres chaînes. En cliquant sur eux, on se bon. Tu feras abonne-toi aussi ici. Abonne-toi sur un second 2 et un second 3. Nos autres chaînes. Je te bénis, mes frères et sœurs. Abonnez-vous, mes frères et sœurs. Let's go! Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La scribe.